Hey, salut vous! Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le set de la cabane d'Hagrid. Et oui, et non, je ne suis toujours pas à faire des vidéos de présentation de Lego. Cette vidéo est juste là pour... Du coup, ici, déjà, nous avons quelques petites figurines. Nous avons... le découpeur de tête. Nous avons aussi cette personne du ministère de la culture. Bonjour, le ministère de la culture vous informe que si cette vidéo vous enjaille, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne d'Amixem. Au revoir. Clap. Bonjour. Non, c'est pas ça. Cette personne qui fait partie du ministère de la magie. Nous avons aussi Hagrid. Alors par contre, Hagrid, j'ai quelque chose à dire. Pourquoi cette figurine a-t-elle... des petites jambes ? C'est une figurine qui est censée être grande, elle a des petites jambes, je ne comprends pas. Après, nous avons Ron, avec un pull rouge très joli, avec... un pantalon gris. Oui, je sais, je détaille beaucoup trop. Mais c'est les petits pantalons qui bougent. Et sur cette figurine, nous avons une double tête. Donc, normal, voilà. Et... Quand... Oh, ça va mal tourner. Quand il est énervé, quand il a envie de vomir des limaces. Et après, donc, nous avons un Harry Potter tout à fait normal aussi, qu'on retrouve dans le set Expecto Patronum. Et du Magic Obus. Donc voilà, j'ai rien à dire à part que. Hey, je suis pas content, je suis Harry Potter, je suis pas content. Hey, je suis Harry Potter, je suis content maintenant, je souris. Et nous avons Hermione Granger. Et je ne dis pas Granger parce que je suis français, donc j'ai l'accent français, du coup je dis Granger. Et c'est pour moi la meilleure figurine. D'Hermione en fait. Eh, hey, je suis pas content, je suis Hermione Granger. Et par contre, nous n'avons pas Dumbledore. Pourquoi nous n'avons pas Dumbledore alors qu'il est dans la scène? Pourquoi vous auriez pu faire un set extrêmement bien? Mais non, vous avez pas fait. Du coup. Vu que j'ai la collection Harry Potter qui était sortie l'été dernier, je vais rajouter cette figurine à ce set. Et vu que si vous avez vu le film, il retourne dans le passé, je vais mettre un Harry Potter. Je vais en mettre un deuxième aussi. Mais vu que le second doit pas voir le premier, je vais le mettre caché là. Bah il est où mon double? Eh bébé, eh je suis Harry Potter, eh bébé, eh je vais sauver le Bucky, je vais le sauver, eh je suis Harry Potter. Eh mais il est con ce Harry Potter, moi je suis pas con du tout, moi je suis Harry Potter aussi en fait, eh bouh, je vais pleurer. Et donc, nous avons le Bucky avec une chaîne. C'est vraiment bien. Après, nous avons Bucky qui peut bouger sa tête quand il va à un concert. Après, donc, on peut mettre des bonhommes dessus. Et bien sûr, on peut enlever sa chaîne. Waouh! Ici,
Nous avons quelques petites citrouilles avec un poteau pour accrocher Bucky, bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Donc voilà, maintenant je vais raccrocher Bucky. Mais accroche-toi! Mais accroche-toi! Voilà, maintenant nous avons Bucky qui est accroché à son poteau là, mais vu que le poteau il n'est pas accroché au sol et que le sol c'est que là ce petit truc, et bah du coup Bucky bah il s'envole avec le poteau. Et après nous avons la maison d'Hagrid. C'est ma maison. Une maison, ça. Cette porte s'ouvre. Oh mon Dieu, il n'y a pas de mur derrière. Il y a donc... Non, je rigole, en vrai, c'est vraiment très bien, parce que nous pouvons regarder à l'intérieur de la cabane d'Hagrid. J'aurais pas dû dire ça. Du coup, à l'intérieur de cette cabane, qu'est-ce qu'il y a? Un petit bureau avec une bougie, une petite araignée là, un coffre avec quoi à l'intérieur? Une grenouille! Après, de ce côté de la cabane, qu'est-ce que nous avons? Une table de chaises qui peuvent s'enlever. Et aussi la table peut s'enlever, un fauteuil, un sac, une petite boîte. Oh merde, de la pelle! Donc nous avons... Oh merde, de la pelle! Une pelle, un parapluie. Mais dis donc, Jamy, pourquoi nous avons un parapluie? Eh ben le parapluie, en fait, c'est la baguette magique de Hagrid. Ah oh, mais c'est super ça, Jamy! Un seau, l'asseau de Indiana Jones qu'on ne voit pas du tout, une cuillère et une casserole, un couteau de cuisine pour découper des gens. Je vais te couper. Les portes elles s'ouvrent et il y en a deux. Hagrid. Oh bonsoir, je ne voudrais pas être impoli mais je ne suis pas en état de vous recevoir aujourd'hui. Donc là, vous voyez, là, j'ai une cheminée, et quand j'appuie dessus, ça fait de la lumière. Waouh! Et regardez-moi ça. On peut faire chauffer un œuf. Je fais chauffer des œufs, là. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne fais pas ici de présentation de cette Lego. C'est juste... comme ça que je fais des vidéos pour meubler parce que j'ai pas d'idée de vidéo, j'ai la flemme de faire des customs et de faire des brick film, des stop motion. Donc vu que j'ai la flemme, je fais ça parce que c'est rigolo et que voilà. Au revoir, à la semaine prochaine. Abonnez-vous, mettez des pouces bleus. Salut. Je vous le dis, la prochaine fois, il y aura des morts. J'aurais pas dû dire ça. Cornelius, je veux qu'il soit bien clair que Hagrid a agressé tout le monde. Mais évidemment, je dois l'emmener. M'emmener? Mais m'emmener où? Pas à la prison d'Azkaban. Calmez-vous, Hagrid. Ah!